Madame, vous ici! Ah, je bénis le ciel qu'on puisse de nouveau se voir en présentiel. Après tous ces longs mois, loin de vos doux appâts, comme je suis heureux! Non! Ne m'approchez pas et reculez d'un mètre. Il faut faire attention à toujours respecter la distanciation. Je n'y peux rien, ce sont les règles sanitaires. Et cela, semble-t-il, n'est pas pour vous déplaire, me tenir à l'écart avec tant de rigueur. Vous semblez, pour Brutus, avoir moins de froideur. Eh oui, je vous ai vu lui prodiguer vos charmes, oubliant vos serments à mon égard, madame. Je hais ce malotru qui, hier à la chasse, pour se dire bonjour, a voulu qu'on s'embrasse. Quoi ? Vous vous retournez ? Ah, la princesse boude. Non, je ne boude pas. J'éternue dans mon coude. Mais c'en est trop, seigneur. Je ne puis plus le taire. Oui, je brûle d'amour pour votre demi-frère. Je l'aime, et pour le voir, ne fût-ce qu'un moment, j'ai risqué ma santé, et sans ménagement. J'ai renoncé pour lui aux gestes barrières, juste pour respirer sa chevelure fière. Je l'ai même embrassé, et comble du parjure, je n'avais pas avant pris ma température. Voilà tous mes exploits. En plein confinement. Mais comment as-tu pu rompre l'engagement que tu m'avais donné avant la pandémie? Nous devions, souviens-toi, nous unir pour la vie. Que s'est-il donc passé? Pourquoi choisir Brutus? Il a su me trouver si rouleau de lotus, en bravant intrépide une foule en furie qui se ruait d'assaut dans une épicerie. Mais enfin... Quoi, seigneur? C'est pour cette raison. C'est une perfidie. C'est une trahison. Je ne peux pas l'admettre. Ah, j'en ai plein les basques, et pour mieux m'exprimer, j'ôte séant mon masque. Diable, que faites-vous? Quelle imprudence folle! N'avez-vous donc pas lu, seigneur, le protocole? Selon l'article 20, ou du moins un extrait, je suis en droit d'user de mon droit de retrait. Non, reste ici, cruel, et entends mes soupirs. Ah, je t'ai trop aimé pour ne te point haïr. Je te crie mon courroux, quitte à m'époumoner. Je ne suis plus que rage. Ah, j'ai postillonné. Oh mon Dieu, qu'ai-je fait? Me voilà meurtrier, oui. J'ai exterminé le premier rang entier. Je suis un monstre affreux. C'est une tragédie. Oh rage, oh désespoir. Oh, postillon, maudit! Vite, vite, en régie, veuillez par précaution arrêter sans délai la climatisation. Et quant à vous, seigneur, dissipez votre rage. Il suffit que l'on mette en place le traçage et tout va s'arranger. Mais vous êtes livide? Oui, je n'ai pas chargé. Quoi? L'appli Stop Covid. Ah, comme ce moment doublement me chagrine. Vous qui m'abandonnez et moi. Qui assassine. Je ne saurais survivre à de pareils tourments, et c'est ce qu'il me reste à faire maintenant. Je m'en vais avaler, sous la lune opaline, des cachets périmés d'hydroxychloroquine. Adieu. Pour qu'il renonce à ce geste fatal, allons donc l'informer qu'il n'a fait aucun mal, puisque dorénavant, pour conjurer la peur, le spectacle vivant se joue sans spectateurs.